Hey, salut à tous amis, c'est Turiming. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo, on est parti. Voilà, Vuelta a España, Tour d'Espagne, étape 5, étape de sprint de 162 km. Les favoris du jour, Valverde, Gilbert, Guérin, Kwiatkowski, Bonifazio, Rui Costa, Zdenek, Stibart, Féliné, Horas et Nathan Haas. Donc, on est tout de suite parti, donc on va gérer nous. On va sûrement encore faire partir Cochevoy en échappé. Et on se retrouve tout à l'heure. Enfin, tout de suite, pour le départ, à tout de suite. Bonjour à tous, les coureurs vont s'élancer pour une étape de plaine aujourd'hui. Il y aura bien vers la mi-course quelques difficultés sur les 170 km proposés entre Bibero et Lugo, un col de deuxième catégorie et un de troisième. Mais le final, tracé autour de Lugo, ne devrait pas empêcher un sprinter de s'imposer. En effet, ces deux ascensions, qui culminent à plus de 600 mètres d'altitude, sont placées à plus de 60 km de l'arrivée. Un regroupement dans le final semble inéluctable du côté de Lugo, qui avait déjà accueilli les arrivées de la Vuelta. Et nous avions déjà assisté à des sprints massifs, avec les doubles succès d'Eddy Plancard dans les années 80 et de Rick Van Looy une quinzaine d'années plus tôt. Donc, de retour les gars. Violente accélération en tête de course. On est parti avec Cochevoy du coup. Alors, hop. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Est-ce qu'il marque les prénoms ici? Non, je crois pas. Non. Il y a qui? Il y a Julien Maurice. Il y a Cochevoy, bien sûr. Et c'est donc tout derrière. C'est la Sky qui imprime un petit rythme. Donc nous on est à 21 minutes, lui il est à 44 et lui il est à 30. Ok, on n'est pas du tout dangereux. Je sais pas s'ils vont nous laisser partir plus loin ou pas. Aucune idée franchement. Bien, attendez, derrière faut que je mette à se placer, hop. Et on va donc accélérer jusqu'au prochain grimpeur. Tranquillement, un petit grimpeur de deuxième catégorie qui rapportera quelques points. On va bien sûr descendre le rythme à 50. On va prendre les petits ravitaux. Oh, on tombe direct sur lui. Ok, au calme. Bon, j'avoue que c'est un peu long dans ces parties de course là, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà, c'est plutôt cool, c'est quand même mieux avec les décors, hein. On va pas se mentir. Ça fait plaisir d'avoir les décors, et encore je suis pas en maximum, je suis en très haut. Voilà, je prends pas de risque pour les vidéos, qu'il n'y ait pas de lag. Voilà, c'est spécialement pour vous, bien sûr. Et ça va être chaud avec Kaiser. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on va garder le maillot à poids longtemps, hein. Je vous dis direct. Là, pour l'instant je peux le jouer quoi, mais après à mon avis ça m'étonnerait que je puisse le jouer longtemps. Ok, pourquoi je joue pas? Ok, bon. Là. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. On est à mi-parcours, les équipiers s'apprêtent à céder petit à petit. Allez, Kaiser. Leur place au leader. Kaiser qui pète, ça c'est pas mal pour nous. Allez, oh, on a mis cher à Maurice là, à Julien Maurice. Allez, on a rajouté une couche. Il tient, et voilà, il tient, une il est pas mal, il est vraiment pas mal échappé. Comme gars. Résistant, pas mal résistant. Hop, allez maintenant, on peut baisser le rythme. Ah, il va se faire reprendre. Il va se faire reprendre, Julien Maurice. Va chercher les petits bidons. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Ça roule vraiment très très fort. Hein. C'est pas pourquoi.
Allez, de sabot grimmer qui va chercher les bidons. Ok, bon, pour l'instant, on est plutôt bien. Par contre, ça roule vraiment fort. Hein. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Le peloton réduit l'écart. Bon, ah merde, mais merde, le grimpeur. Attention, une attaque en groupe de tête. Pas que Durasek nous le fasse cette fois-ci. Ça m'étonnerait pas que Durasek nous le batte. Allez, on le passe sur la ligne. Oui. Oh, magnifique. Magnifique ce passage sur la ligne. Ce grillage de place, on peut le dire. Ça, je pense, on l'a passé normalement. Normalement, on l'a passé sur la ligne. C'est celui-là. Ah non. Ah non. Oh, merde. Nous entamons le dernier tiers de la course. Ça fait chier. Hop, ok. Oh, il y a déjà pas mal de lâchés. Hein. Oh, Zurlo, il est loin. Arashiro, il est loin. Ah, il y a un gros groupe qui a pété en fait. Ah, oui, nous sommes plus 97. Est-ce qu'il y a des leaders de lâchés? Bon, je sais pas ce qu'il y a pas fond, il y a pas quand t'adore, ouais. Tatalinski, ah non. Ok, pas de leader qui a lâché prise. Dans le top 14. Je me demande s'il faudrait pas monter le niveau en extrême quand même. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Peut-être que je suis trop fort. Ça, le mec qui se la joue pas trop, tu sais. On va le faire le sprint, écoutez. Hop. On passe tranquillement. Ok. Mon téléphone qui vibre. Vous êtes habitué maintenant. Qui c'est qui va aller nous chercher les bidons? Parce que Grimmel, il est pas bien. Mais il s'accroche. Pas comme Yugia Arashiro qui a pété. Comme Zurle, comme Vincenzo Conti. Je sais même pas si c'est Vincenzo ou pas. Oula, est-ce que Alexandre Genies ne serait pas lâché par hasard? Ok, il n'y a pas de... Ah, Kenny, il semble peut-être. Ok, Nissan qui est devant, ok. Là, il y a Alexandre Genies aussi. Ah, ok. Ah, Kocheva, il s'est déjà fait reprendre. Ah, oula, violence. Chute massive dans le peloton, heureusement, ça n'a pas l'air trop. Chute de Philippe Gilbert. Moment important de cette étape. Le grand favori de l'étape, Philippe Gilbert, lâché. Enfin, qui chute surtout. On le voit avec son milieu du champion de Belgique. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Et ouais, ça laisse et peu du coup, de chance ouais, à Gilbert, une attaque. Attention, un leader est décroché. Mal parti pour lui. C'est très mal parti pour lui, Philippe Gilbert, là. Il y a qui a lâché. Ah, ok, c'est tout le BMC qui attend, forcément. Forcément qu'ils attendent, mais à 2 minutes en 16 km, c'est quasiment impossible. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Hop, allez, toi, tu vas aller chercher les bidons. Bah, du coup, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, si on joue avec Costa la victoire ou pas. Ou alors, pourquoi pas faire partir quelqu'un en échappé. Là, parce que là, c'est pas tout, c'est pas que ça se regarde, mais presque, quoi. Là, voilà, on va profiter de ce petit... mini-boss, là. Mini, vraiment mini. Et on va essayer de faire partir Christian Durasek, même si ça va être très très dur. Allez, oh là là, la... Oh, la Movistar, elle roule à un rythme.
Attaque de Christian Durasek. Va-t-il... Attention, une attaque à l'avant. Oh, c'est Nairo Quintana qui roule. Nairo Quintana en personne qui roule. Oh là là. Bizarre la stratégie de la MC. Allez, 10 km pour Christian Durasek qui est parti. Moins de 10 ça va être très 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 dur pour lui, mais on sait jamais, écouter. Chute d'un coureur. Ouais, Cataneo, il est pas très fort. Hein. Il est vraiment pas très fort, Cataneo. Oh là 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 là, énorme chute au sein du peloton. Allez, Christian Durasek qui est toujours en tête. Il peut pourquoi pas aller chercher une victoire. Chute de Yuya, hein, chez Roger. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Avec Iganton, il est tombé, ok. Regardez, il y en a un qui vient de s'arrêter sur abandon le bas-côté. Abandon de Mathias Franck, ok, bizarre. Et si Simon Yates qui roule en personne, mais les gars, c'est de quoi le cette panneau course des 5 derniers kilomètres. C'est quoi cette course de folie, quoi. Oh, vous prenez tous le gel. Non, je dis tous. Allez, Christian Durasek, il a toujours 20 secondes. Va-t-il réussir à tenir? Oh là, plusieurs coureurs à terre. Ça certainement va être un impossible accrochage pour lui de tenir, de toute façon, à mon avis. Ah, ça attaque, ça attaque, ça attaque, là. Faut y aller, faut y aller. C'est le moment d'y aller avec, avec Costa et Menties. Bon, ok, on va direct sprinter, écoutez. Ouais, c'est fini pour Christian Durasek là qui va se faire reprendre malheureusement par Jens Koekkelaer. Oh, le sprint de Znekstibart. Le peloton vient de reprendre. Znekstibart très costaud. Allez, rendre Valverde. Allez, rendre Valverde. Znekstibart, ça va jouer entre les deux. Znekstibart qui ne fait lui pas, et c'est là rendre Valverde. La victoire d'aller rendre Valverde sur le fil, les gars. Et c'est la victoire pour devant Horace, devant Stibart. Et on fait un top 10 peut-être avec Rui Costa. Ouais, on fait 8ème. On arrive juste là avec Menties à Durasek qui est cherché une 17ème place. Les retardataires continuent. Magnifique doublé arriver de la Movistar. Très beau doublé de la Movistar. Allez, du coup, on va accélérer. Magnifique doublé, ouais. Donc, voici du coup, on salue juge un bon truc, voilà, on fait une bonne chose. Du coup, Valverde qui conforte son maillot vert. Doublé pour Movistar Team. Voilà, voilà. Donc, ok, on fait 17, on fait 8, 17, 21. Ok, bon, on a fait un bon truc, on n'a pas perdu de temps en général, normalement. Voilà, non. Classement, voilà. Valverde en tête. Cochevoy, toujours pas forcément. Et Menties, toujours maillot blanc. Donc, voilà, c'est un peu tout pour cette étape. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour la 6ème étape. Étape de moyenne montagne, voilà, ça. Ça peut être pas mal quand même à faire, voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette étape. On est dans le leader, ouais, on est deuxième leader quand même. Bon, en tout cas, on verra bien. En tout cas, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.